On continue le tour des ateliers de la Maison de l'Enfance. Aujourd'hui, mercredi, c'est atelier pop, English et théâtre à la MDE. Des activités qui attirent de plus en plus les plus jeunes. Carole, animatrice de l'atelier Pop English, dispense des cours d'anglais aux enfants dès la maternelle. La méthode Pop English permet un apprentissage par le visuel et l'auditif dans une ambiance ludique qui fonctionne très bien avec les enfants. Alors en fait, la méthode, elle est très simple et elle est en fait en même temps très ludique et tout part d'une chanson sur de la pop musique. Et on leur apprend la gestuelle, donc si vous voulez, on associe à chaque mot qu'on veut leur apprendre un geste bien précis. Donc par exemple, quand on commence les animaux, on va faire the cat, donc le the cat avec une moustache pour bien leur montrer que c'est the cat et c'est pas un autre animal. Donc en fait, ils vont associer un geste avec un mot et on va leur faire répéter. On va reprendre la chanson ensemble et ensuite donc tout va rentrer et tout va se mettre en place par la gestuelle. Certains enfants ne participent à ces ateliers que pour la seconde fois et on constate déjà un réel éveil à la langue anglaise. La méthode Pop English a l'air bien efficace. Savoir que l'enfant est très réceptif du plus jeune âge, donc de 0 ans jusqu'à peu près 9-10 ans, parce que nous avons tout le système auditif qui se verrouille et la langue maternelle de l'enfant fait un filtre aux autres langues à partir de 9-10 ans. Donc en fait, je dirais que plus tôt votre enfant apprend une langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et mieux son système auditif par rapport à la langue et à la compréhension de la langue, et après au parler, bien sûr, sera meilleur. Côté parents, on se déplace même depuis les villes voisines pour faire participer ses enfants, car pour les plus jeunes, dans certaines communes, l'accès à la langue étrangère n'est pas toujours facile. Ma fille devait commencer l'anglais en CEA, et donc elle était toute contente, super motivée de commencer l'anglais. Moi aussi, on est parti en Irlande cet été, donc elle était super motivée, et à l'école, il n'y a pas anglais cette année. Il y a eu une suppression de poste l'an dernier, la dame qui faisait anglais, son poste a été supprimé, plus personne fait anglais à l'école. Donc on a cherché partout et heureusement que les associations existent et merci à la Maison de l'Enfance. Quoi. On retrouve maintenant Catherine de l'école de théâtre qui reçoit cet après-midi les enfants de 5 à 7 ans. Catherine a elle aussi sa méthode avec les plus jeunes et ce sont les enfants qui, avec elle, vont créer leurs propres pièces suivant les envies et les goûts de chacun. Généralement, c'est sur le premier cours où chacun se présente. On découvre un petit peu tous les univers de chacun par les lectures, par les films qu'ils ont pu voir aussi durant l'été. Généralement, c'est les questions que je leur pose. Et à partir de ce moment-là, je leur demande sur quels univers, sur quelles atmosphères ils veulent partir. Et moi aussi, j'apporte mes idées de lecture, de films que j'ai pu emmagasiner durant l'année ou durant les vacances. Et ensuite, on décide sur quel thème on décide de créer le spectacle. Donc c'est un peu les enfants qui décident de... Voilà, c'est principalement les enfants. Moi, je peux mettre... je peux orienter ou dire catégoriquement non, je ne souhaite pas. Mais généralement, c'est d'un commun accord et c'est surtout sur leurs envies, étant donné que c'est eux qui vont le monter. Moi, je vais juste refaire quelques petits changements de mise en scène. Les cours de Catherine sont composés en partie de jeux et d'improvisation, ce qui donne une bonne part de liberté à l'expression des enfants et au développement de leurs personnages. Les enfants se prêtent volontiers au jeu, il faut dire qu'à cet âge-là, ils sont plutôt désinhibés. La peur de faire un personnage ou de faire un geste, rien ne les effraie. Contrairement à des plus grands, des ados, ils vont être plus réticents. Non, j'ose pas trop faire tel geste ou tel personnage parce qu'il y a de la retenue. Là, les petits ne l'ont pas. Après, c'est plus j'adapte mes échauffements, j'adapte les exercices, on va dire, et les séances selon les tranches d'âge, bien entendu, pour que ça reste d'une part ludique, quel que soit l'âge, mais également qu'ils apprennent quelque chose.
Alors bien sûr, l'expression théâtrale pour les enfants et quel que soit leur âge a ses bénéfices. Sophie a deux fils qui pratiquent cet atelier. Pour elle, chaque parent y trouve des avantages différents. Je pense que les parents qui inscrivent leurs enfants au théâtre ont différents objectifs. Hein. Certains pensent que leur enfant est timide, donc ça va l'épanouir. D'autres pensent qu'au contraire, il est très, très excité, donc ça va le canaliser. Moi, c'était juste pour essayer de leur apporter quelques techniques, entre guillemets, propres au théâtre, des trucs d'impro, quoi. Et aussi une façon de pouvoir s'exprimer en public, de ne pas avoir peur de prendre la parole, etc. Et puis ils trouvent leur compte. Puis il faut dire aussi qu'à Romba, il y a le MOM Théâtre, hein, donc il y a pas mal de spectacles aussi de théâtre régulièrement, régulièrement dans la saison. Et puis ils aiment bien, donc ils sont aussi spectateurs. Donc ça se combine entre spectateurs et acteurs. Sachez enfin que vos enfants peuvent également combiner les cours d'anglais et de théâtre dans la même journée, aux horaires et aux jours qui vont suivre. Yeah!